bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh, je marche pas sur de la terre, hein, je marche sur des cailloux. Alors, on arrive en fait, c'est juste derrière. Ce walk and talk va être un peu particulier. Je vais. Je peux passer par là, il n'y a pas de trottoir. Donc, je vais vous montrer la bâtisse tout de suite. En fait, je vais passer derrière la caméra et je vous explique après. Allez, à tout de suite. Alors, il s'agit de la bâtisse sur votre gauche. Il y a des voitures, hein, je suis désolé. Donc, à partir de ce portail. Et jusque là au bout. On va essayer de passer là pour que vous voyez bien. Désolé pour les voitures. Alors voilà, vous voyez, c'était une seule et même bâtisse avant. Donc là, je ne suis pas revenu depuis un moment. On va le faire dans un sens et puis on va le faire dans l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors je ne me rappelle pas s'il y avait cette maison ou pas, ou si c'était un terrain à l'époque. C'est possible. Et là, vous avez la bâtisse qui est juste là. Voilà. Allez, je vous reprends derrière. Alors, la bâtisse, elle est juste là derrière. Il y a beaucoup de voitures. Donc je vais avancer un peu plus pour... mieux vous expliquer tout ça. Bon voilà, ici on va être un peu plus tranquille. Alors à l'époque où j'ai visité cette bâtisse, en fait je crois pas qu'il y avait la maison devant, je me rappelle plus trop en fait. Je vais pas vous dire donc de bêtises, mais je me rappelle plus. Bon, donc voilà, c'est pas grave. Alors ça va vous faire rire parce que là encore je vais vous dire un truc qui peut peut-être vous surprendre, mais cette bâtisse, je m'en rappelle, là, c'est pas trop mal, pas de tout. Mais je m'en rappelle bien parce que c'est l'époque où je commençais à chercher un truc à rénover. Et quand on commence à chercher un truc à rénover, on cherche un truc à rénover où on se sent de le rénover, c'est le cas de le dire. Et en fait, cette bâtisse-là, je l'ai visitée et je ne la sentais pas du tout. Il y a une voiture qui arrive, attendez. Ça me fait penser à Winsworld, je ne sais pas si vous regardez. Engagement. Elle était nulle, allez, c'est bon. Et donc, en fait, je cherchais une bâtisse à rénover, en fait, sur laquelle je me sentais capable de le faire. Et quand vous ne l'avez jamais fait, en fait, vous visitez des trucs, enfin, bon, je tourne autour du pot, je vous le dis, j'avais peur. En fait, celle-là, elle était nickel, vous voyez, elle a été divisée. Je ne me rappelle plus bien de la configuration, je suis passé un peu vite devant. Elle a été divisée. Alors, attendez, voiture, engagement. T'es vraiment nul. Elle a été divisée et là on l'a été divisée donc en trois parties, et moi quand je l'ai visitée, elle était d'un seul tenant. Comme j'avais jamais fait de travaux, jamais de division, rien, je voyais pas tout ça en fait, et donc j'ai eu peur, voilà, clairement. Et ouais, dans les walk and talk je vous dis mes erreurs, et là c'est l'erreur d'avoir eu peur parce que tout était là à part que je le sentais pas et que j'ai dû attendre de trouver un bien qui correspondait à ce qui ne me faisait pas peur. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, dans ce walk and talk, c'est faites ce que vous sentez et pas ce qui vous effraie. Allez les mecs, encore avec les barres, je me casse. Salut!